L'objectif de la sortie pour le public, hein, c'est de pouvoir les emmener, donc venir découvrir justement un espace de nature quand même toujours assez remarquable, hein, quand même dans l'estuaire de la Seine, et puis de découvrir justement cet attrait de ce territoire pour les oiseaux qui sont qualifiés d'hivernants ici, donc qui viennent essentiellement d'Europe du Nord et qui vont passer l'hiver ici chez nous. Les espèces qu'on trouve ici, hein, donc c'est surtout des oiseaux de la famille des limicoles, donc ça veut dire les oiseaux qui sont faits pour se nourrir sur des bancs de sable ou de vase. J'ai saisi l'opportunité de pouvoir venir voir des limicoles hivernants dans l'estuaire de la Seine, parce qu'en fait, il y a relativement peu d'endroits où on peut les observer. J'ai découvert des oiseaux que je ne connaissais pas, et le paysage est très joli. L'objectif est aussi de donner un petit peu la méthode aux personnes de pouvoir par eux-mêmes identifier les différentes espèces qu'il peut y avoir. Voir quelles sont les couleurs du plumage des oiseaux en question, quelle est sa silhouette, quelle est sa taille, comment est son bec, comment sont ses pattes, etc., etc. On s'aperçoit quand même qu'il y a un engouement quand même, hein, une passion du public qui semble de plus en plus marquée, hein, pour les découvertes de la nature. On dit souvent qu'on connaît mieux le lion de la savane ou la girafe que l'huître épie qui vit au pied du Havre par milliers. La tendance tend quand même à s'inverser aujourd'hui où il y a une envie de découverte nature au pied de la maison qui tend à être de plus en plus important, et c'est à féliciter et à encourager.